And I don't see. Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur Spintia Mud Runner. Et on est en compagnie du pilier du Patou. Salut mon Patou. Et bonjour Julien, bonjour à tous. Et on est en compagnie de Sylvain, alors pour ne rien vous cacher, salut Sylvain. Salut à tous. Alors pour l'instant vous n'avez pas l'image Sylvain puisqu'on a attaqué la vidéo il y a 5-10 minutes et qu'on s'est fail, on a pris les mauvaises remorques, enfin on n'a pas pris les mauvaises remorques, mais on n'a pas réussi à charger les remorques qu'on voulait avoir. Sylvain a pris autre chose et lui il a réussi à charger du bois. On est toujours sur la map Lille, donc il est déjà là-bas en place directement. Putain, mais il avance pas, ce bahut. On est reparti sur la map Lille, on va aller sur l'autre série, à l'autre espace de chargement de bois. Sylvain a le même ensemble que Patou finalement. Et moi, colo comme je suis, j'ai encore pris un truc différent. On va essayer de charger éventuellement, si possible, du bois moyen. Eux, ils sont sur du bois court. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous plaît toujours autant. A priori, la première vidéo vous a plutôt plu. Bon, vous avez constaté effectivement qu'il n'y a pas de grandes améliorations entre le premier et celui-ci. On est avec un nouveau véhicule, vous pouvez constater. Celui-ci est un mod, c'est pas un véhicule d'origine du jeu. Est-ce que je me suis pas fail là dans un petit bout de... Non, ah, attends. C'est moi ou il ne veut pas avant. Et qui c'est, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Attends. Vas-y. Accepté, vas-y. Envoie du gras. Vas-y, tire moi Juju. Attends. Vas-y. Ah ouais, mais je suis en vue intérieure là. Qu'est-ce qu'il me fait? Tire. Vas-y, c'est bon. Je décolle. Décollage. Vas-y, envoie pas tout. Mets du gras. Allez, c'est parti. Oh, les difficultés pour produire une vidéo sur Spinty à Mud Runner. Oh, bon, un truc de marteau. Mais y a qu'à nous que ça arrive. Hein. Bah, je sais pas, ouais, on a vu d'autres youtubeurs qui avaient aussi quelques difficultés, mais là, autant que nous, franchement. Bon, et comment je change de quitter le mode avancé? Ouais, B, ouais, c'est bien. Quitter le mode avancé, B, non, c'est. Non, toujours pas. Ah, voilà, ça y est, je suis sorti. Déjà de l'extérieur, c'est plus joli. Allez, on pas tout, je t'ai lâché. Ah, allons, mieux. T'es lâché, on va remettre. On va savoir la vitesse qui m'entend à l'efface. Putain, allez, c'est parti, on va essayer d'avancer parce que là, putain, on galère depuis tout à l'heure, franchement. C'est un truc de marteau, pas tout. Cherche la difficulté, hein. Ouais, mais. Pas par là, il y avait la petite piste là, hein. Tu connais mon amour pour les arbres, hein. Ouais, bah, je sais bien. Alors, pas tout, s'il te plaît, par contre, on n'oublie pas encore une fois cette fois-ci. Ah, on va pas l'oublier. On va se contacter, s'il vous plaît, monsieur Sibi. Attention Julien, si vous me recevez. Mais franchement, c'est mythique. On dirait vraiment une vraie, je te jure. Hein. Moi qui ai entendu un petit peu de la CB vite fait. C'est bon, ça suit pas tout? Ah ouais, je suis derrière. T'es coincé? Attends, parce que le temps que t'as tourne... Oh putain, il est là. Allez, envoie du grand, on arrive Sylvain, fais-toi pas de bille. Hein. Ouais, je vous attends. Si tu peux déjà commencer à sortir, reprendre le petit chemin par lequel on est arrivé, parce que là... La Syrie, elle est dans l'autre sens. Après, il faut repartir par là-bas en fait. On arrive comme des marteaux. Moi, je suis lancé 5ème vitesse. Donc, je suis à la manette. J'ai reçu le nouveau volant aujourd'hui pour ceux qui me suivent sur la page Facebook. Par contre, ouais, c'est vrai que j'ai encore quelques difficultés pour l'instant à le régler. Donc, je suis resté à la manette un petit peu compliqué. Voilà, on vous expliquera quand j'aurai réussi à régler mes problèmes. Voilà. Mais sinon, c'est de la balle. Hein. Voilà, pour vous dire. Enfin, heureusement, tu me diras, le tarot. Heureusement que c'est de la balle, hein, parce que sinon il y aurait de quoi se flinguer, comme on dit. Hein. Mais voilà, un peu compliqué. Donc là aujourd'hui, vous avez pas l'impression, mais tout à l'heure j'avais les trucs de la manette qui apparaissaient. Là c'est les trucs du volant. Bah, bon, bref, tout est branché. Tout est normal. Le principal, exactement, c'est d'arriver à avancer. C'est pas forcément toujours très évident, mais en tout cas on y arrive tout doucement. On devrait croiser Sylvain là, je pense. On arrive au garage Sylvain, donc on est juste à côté. Là, c'est bon, on va tenter de charger, enfin. Non, t'es pas ressorti, Sylvain? Non, je suis là, je vous attends. Ok, ça marche. On se rentre pas dedans dans le petit chemin, là. Et c'est vrai que c'est quand même plus pratique, je trouve, en boîte manuelle.
Ouais, là c'est en automatique, c'est un peu la merde. C'est un peu chelou, ouais. C'est un peu chelou, chelou. Bonjour, monsieur, dame. Comment allez-vous? Alors, regardez Sylvain, lui c'est un patron. Il a pris un truc et au moins il a réussi à faire quelque chose avec nous pour l'instant. Ouais, c'est pas un chrono comme nous. Ouais, on a encore rien réussi à faire nous pour l'instant. Alors, je crains le pire là, moi avec mon truc. Et puis si ça marche pas, bah je reste à vide, hein. Voilà, allez, on va essayer de mettre du moyen. Oh, c'est magique, le moyen ça marche. Allez, hop. Je dégage. Et GG, juju. Oh, incroyable. On a enfin réussi à mettre du bois sur la remorque. Ça attaque bien. Et maintenant, on va voir le patou. Donc le camion, il va y avoir aucune difficulté. Là, c'est bon. Voilà, et c'est peut-être la remorque où tu vas avoir quelques difficultés. Voilà, c'est bon. Ouais, exact. Ouais, faut bien l'aligner. Après ils font rire, mettez-la à plat, à l'horizontale, mais il y a des trous et tout, là. Et c'est des colos les mecs. C'est des colos. Ah oui, en plus 19h59, merde putain, on va... en plus on se fait niquer par la pluie. J'espère qu'on va pouvoir... Ah putain, ça tombe, on va pas pouvoir passer la nuit. Allez, faut que je me serre plus vers là. Magnifique, magnifique, et on regarde bosser le patou, le patou. Voilà, voyons voir. Tu commences à me casser les pompons. Ouais, casse-toi pas le cul, patou, on y va, tu vas à vide. Enfin, tu vas avec la remorque à vide. Go, go, go. Ah, tu sors là-haut, Sylvain, et tu prends à gauche. Ok. Parce que sinon, bah, on va rouler de nuit finalement. Hein. Enfin, tu me diras pas tout, là. T'as encore le temps d'essayer, le temps qu'on sorte déjà de là. Parce que le mec, normalement, il en a dans la culotte, celui-là, mais je sais pas, chargé, enfin avec la boîte auto, c'est un peu bizarroïde. C'est quoi les feux, pas tout, avec la manoïde? C'est celui de la manette de gauche. C'est-à-dire? Tu sais, ça, celui pour reculer, c'est celui d'en dessus. La gâchette. Ouais, ah, d'accord, ouais, ok, ouais, super, ouais. Donc LB. T'as réussi, pas tout? J'insiste. Ouais, allez, commence à rouler. Ah, t'emmerdes pas, filoche. Vas-y, passe devant. Attends, je vois plus rien, la caméra est d'un côté, la caméra est d'autre. Mais c'est le bordel, mais c'est pas possible. Allez, tant pis, j'ai fait un. Ouais, viens-y, mon patou, laisse tomber. Allez, en partie, donc direction l'autre bah, de nuit. C'est dommage, mais ça sera de nuit. Normalement, c'est là-bas que je me souviens, parce que celle-là, je l'ai terminée. On va essayer d'aller là-bas. Et le mec, il repasse en première. Laisse tomber. Ah, ça sera une vidéo kata, hein, franchement. J'ai déjà le titre. Hein. J'ai déjà le titre. La vidéo kata. C'est vraiment le bordel. Hein. Et là, c'est vrai qu'en plus, il va faire nuit. Tu peux pas tout. C'est toi qui as créé le lobby. Tu peux passer la nuit ou pas? Voyons voir. Je pense pas. Hein. Enfin, en simplifié, tu peux, mais en solo. Non, mais après, hein. En multi, je crois que. Non, ouais. Non. On va dans le moignon. On l'a dans le petit moignon. On l'a dans le moignon. Plus j'arrive pas à monter la petite côte. Peut-être que si. Allez, bon Dieu, mais vas-y. Bon, alors attends. Comment ça se passe là? Treuil, non? Comment c'est le treuil? Y. Ouais, mais. Et comment vous faites pour déplacer le treuil? Parce qu'il choisit lui-même l'endroit où il veut se poser, cet enculé, là. Ouais, moi je sais pas trouvé. Hein. Alors là, il s'est attaché, mais il s'est attaché là où je veux pas, ce connard. C'est pour ça que bon. Moi je me sers du mode avancé. Allez, mon gars, vas-y, fais-toi plaisir, attaque la côte. Pourquoi? Moi, bon, le treuil, je peux choisir. Tu joues à quoi? T'as la manœuvre? Ah non, non. Ah ouais. Vas-y, roule, Sylvain. Après, tu prends à droite. Ok. Moi, j'arrive, moi, Juju. Ouais, j'arrive. Bah vas-y, parce que moi, je galère. Ah, il est là. On voit les roubignoles là-bas qui clignotent. Il a les roubignoles qui clignotent. Ah, j'ai les roubignoles qui clignotent. Allez, c'est parti, on y va. Let's go. Prends bien à droite, pas attention, tout. Attention, hein. Julien, il voit les roubignoles qui clignotent. Alors, version Sibi, les roubignoles qui clignotent, j'adore. Il faut suivre ce petit chemin, vas-y Sylvain. À un moment donné, il va disparaître, mais tu le devines un peu au loin parce qu'il est pas franc, c'est un chemin pas franc. Lui, on voit rien avec cette caméra.
Sympathique, sympathique. Ouais, c'est bien finalement d'être du soit devant, comme ça au moins on voit un camion rouler. On va de temps en temps jeter un œil au patou. Ah, il clignote. On voit plus les roubignoles. On ne voit plus les roubignoles qui clignotent. Ouais, ça va un petit peu mieux là, c'est un peu moins galère. Allez, vas-y mon gars, vas-y mon gros, fais-toi plaisir, envoie du grob. Alors le gars, alors c'est vrai qu'on a remarqué et on m'a fait remarquer dans les commentaires de la précédente vidéo que dans les passages à guille, le courant est très très important. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi à remonter. Ouais, qu'on est resté planté, ouais. Avec les treuils. Et c'est vrai que ça arrive à te retourner les camions, hein, qui n'était pas du tout le cas sur le Sprinter numéro 1. Non, non, il n'y avait aucune incidence sur le Sprinter normal. Voilà, pas d'incidence sur le courant, mais là par contre sur ce niveau-là, c'est vrai que c'est une belle amélioration parce que. C'est une bonne idée d'avoir mis ça. Attends, oui, 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 ils auraient mieux fait de régler la caméra ce chrono plutôt que de flotte, quoi. toujours tout droit. Ouais, toujours tout droit, après tu vas retomber sur la piste en fait. Ok. Tu vas retomber sur une piste. Putain, ça secoue les balayettes là derrière, attention. Hein. Ça secoue les roubignoles qui clignotent. Voilà, là tu retombes sur la piste à ta gauche. Alors, où est-ce qu'il est? Oh putain, il est de côté. Oh putain, il arrive. Et comment il roule aussi vite que ça, lui, d'abord? Oh, j'ai le doigt écrasé sur la manette et le mec il arrive. Ah ouais, mais il a. Il trimballe sa. Regarde le fer! Regarde le fer! On nous a dit, mais vous faites pas les courses sur Speed Tier. Putain, bah heureusement parce que je suis une brêle, hein. J'arrive pas à avancer. Ouais. J'arrive pas à avancer. Regardez ça, il me l'a mise. Ouille! À gauche! Faut monter là-haut! Gauche! Ah! Gauche, ils connaissent pas le chemin, je passe! Enfin, je crois que c'était à gauche. Ouais, c'est à gauche. Là, on reprend le chemin. Partout, il va à droite. Mais ça va à peu près au même endroit. Hein. Par contre, je suis sûr que tu pourras redescendre. Normalement, il y a un autre chemin aussi qui arrive de là-haut. Ouais. En théorie. Allez, essaye de faire demi-tour. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Là, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. On est bon. Bon, bah, c'est vidéo full de nuit quasiment. Hein. Mais bon, ça le fait aussi. Hein. Ça, il y a les. Vous voyez, ouais. Vous voyez les gyroputes et tout. C'est sympa. C'est sympa. Là, on va débloquer un camion, mais qui sert à rien. En tout cas. Pour nous aujourd'hui, nous servira à rien. Et puis après, il faudra qu'on vous montre un petit peu. Il y a le K700 quand même, le Kirovets, hein, le gros. Ah ouais, faudra qu'on l'utilise celui-ci. Le gros véhicule. On pourra essayer aussi de charger du bois, puisque là, on utilise toujours la technique du chargement automatique, mais il y a le chargement manuel et ça peut être aussi assez drôle, assez folklorique. Il faut préparer un minimum. Déjà, il faut amener les véhicules pour les charger, etc. Mais voilà. Et la scierie est ici. Voilà. Bah écoutez, on y est arrivé quand même, difficilement, j'ai envie de dire, mais on y est arrivé quand même. Voilà. Voilà. Allez. Balance-moi tout ça. Par contre, il n'y a plus le bruit de la scierie quand tu vides les machins. Dommage. 4 points de chargement pour Bibi. Et normalement, bah, tu vas arriver. Voilà, ça va faire 2 et 2, je pense, pour Sylvain. 4 points, Sylvain. Et Patou, il va arriver. Il va. 2 points. Il est arrivé. Bah là, tu vas même pas pouvoir parce que c'est 8 points. Ils vont te dire, mais c'est déjà plein, monsieur. C'est déjà plein. Ah, chaque fois, je me fais carder. C'est moi. Déjà plein. Ouais, mais le principal, c'est pas de livrer, c'est de transporter. C'est ça l'idée. Hein. Ah, c'est ça l'idée. Allez, merci, ça y est. Bon, c'est bon, c'est bon. Eh ben écoutez, ça aurait été la vidéo cata, la vidéo merdique, la vidéo catastrophique. On remerciera Patou, on remerciera Sylvain de m'avoir accompagné. Merci à toi, moi. Merci à toi. Et on se retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures sur Sprinter Mudrunner. Ciao, bye bye les gars, merci. Ciao, ciao, tout le monde. Ciao.